à la recherche de l'ombre et surtout de l'eau. Ces vaches laitières peuvent en boire plus de 250 litres par jour en période de canicule. Alors, Franck Moreau, éleveur dans les Deux-Sèvres, vérifie régulièrement ces abreuvoirs. À chaque fois que les bassins sont vides, on les remplit et on en remplit plus souvent puisqu'elles boivent plus souvent, oui. Il ne faut surtout pas qu'elles manquent d'eau, c'est primordial pour les vaches laitières. Son objectif, maintenir le rendement. Une vache assoiffée produit 5 litres de lait en moins par jour. En 2017, il décide donc d'installer des brumisateurs dans son hangar. On a de l'eau qui est brumisée sur le dos des vaches, vous voyez. Donc ça leur mouille bien le dos des vaches. Et ensuite, l'air des ventilateurs sèche le dos, ce qui permet de faire baisser la température du corps des vaches. Côté alimentation, rien ne change, ou presque. Ces 60 vaches laitières se nourrissent toujours d'ensilage d'herbes et de maïs, mais avec un ingrédient surprise lorsque les températures dépassent les 35 degrés. On rajoute par contre des épices pour leur permettre de lutter contre la chaleur. Ça sert à quoi les épices pour la chaleur ? Alors les épices, ça fait transpirer les vaches en fait, et donc ça leur permet d'évacuer mieux la sueur. Une meilleure thermorégulation pour des vaches plus fraîches et moins stressées. Des conditions d'élevage récompensées par un label Happy Production. Il garantit aux clients de Franck Moreau le respect du bien-être animal dans son exploitation.